Messieurs, merci beaucoup d'être là. J'ai été très heureux de recevoir ce soir le président de Huazhou, M. Qi, et le président d'Accor, M. Bazin, qui sont venus me présenter l'accord d'alliance stratégique qui a été annoncé hier entre leurs deux grands groupes. Cet accord est une magnifique illustration de deux ou trois choses. D'abord, le développement du secteur du tourisme, aussi bien pour la France que pour la Chine. C'est un secteur qui va se développer comme partout dans le monde. Et le fait que deux grands groupes complémentaires décident de travailler ensemble est une excellente nouvelle. Ensuite, c'est un partenariat franco-chinois. Et en cette année du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France par le général de Gaulle, il n'y a pas meilleur symbole de la proximité entre nos deux peuples. Et je suis sûr que les Chinois accueilleront, le gouvernement chinois accueillera cet accord avec la même joie que le gouvernement français. Et enfin, c'est un accord extrêmement prometteur parce que le dynamisme de ce groupe, leur ampleur, leur complémentarité, fait de cette opération une des plus importantes, des plus positives dans le monde et va créer un opérateur qui, tout en respectant parfaitement les règles de la concurrence, sera un opérateur extrêmement puissant et qui apportera le succès. Et donc, pour moi qui m'occupe à la fois des relations extérieures de la France et du tourisme, c'est vraiment un grand sujet de satisfaction et je veux en féliciter les auteurs et leur souhaiter beaucoup de succès ainsi qu'à leurs équipes. Peut-être voulez-vous dire un mot l'un et l'autre ? Allez-y. Chairman ? Chairman Qi ? Écoutez, je pense que la chose importante, d'abord, Monsieur le ministre, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. C'est important qu'on soit là avec vous, et c'est important parce que, et vous le savez autant que moi, vous avez été mêlé depuis le début à ces discussions. Je vous avais demandé avis et conseils, vous me les avez donnés. Et grâce à vous et aux efforts des équipes du groupe Accor, nous ne nous sommes pas trompés de partenaire, mais deux, vous l'avez dit, la puissance que représente une alliance entre le groupe Accor à l'international, le groupe de Chairman Qi Xi Huazhou en Chine, est une puissance aujourd'hui inégalée en termes de capacité d'accueil, puisqu'on parle de près de 6 000 hôtels, de 47 millions de porteurs de cartes. Et donc, nous allons pouvoir faire bénéficier à beaucoup de Chinois à l'international et beaucoup d'Européens, de Sud-Américains, d'Africains qui vont aller en Chine du bénéfice des marques du groupe Accor et des marques de votre groupe. Donc, pour toutes ces raisons-là, on a fait ça relativement vite, en 6 mois, mais nous avons de longues années à vivre ensemble et ces années seront extraordinairement prometteuses et je pense qu'on n'en mesure pas encore totalement l'ampleur. Mais je voulais vous remercier aussi, Chairman Qi Xi, de la gentillesse et de la confiance qui a prévalu dans nos rapports depuis le début. Merci beaucoup. Chairman? In Chinese. In French? Yes. You want to translate? 今天我来过巴黎很多次，今天巴黎下雨了。Je suis venu à Paris plusieurs fois. Aujourd'hui, il pleut. 在中国，这个下雨是有财的意思，所以说我觉得。 En Chine, quand il pleut, ça signifie c'est un porteur de richesse. 这是我觉得也是个好的兆头。我们这次跟雅高的合作，得到部长的一直的关心和支持，在此我表示对部长的个人的感谢。雅高是一个很大的公司，而且很久的公司，能够在6个月把这个跟我们这个deal做成，我觉得巴赞非常了不起。 这是出乎我意料之外的事情。
cette affaire, M. Bazin qui a fait un effort particulier pour battre ce record. 我也是第一次来这么漂亮的这个部长办公室，所以我觉得今天不管是下雨啊，还是这么漂亮的办公室，我觉得都是一个好的兆头。我希望我们跟雅高的合作，跟法国的友谊，能够像今天一样，都是一直永远的好下去。谢谢大家。 Je souhaite que notre coopération avec le Coupe Accord va continuer pour longtemps. Merci. Merci. Merci.